Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma séance pour les épaules. Allez, c'est parti. Allez, première série, on s'échauffe doucement. On va faire une vingtaine de répétitions. Deuxième série, cette fois-ci on est à 12 kg et pareil, on fait à peu près 10-12 répétitions sur celle-ci. Allez. Troisième série, cette fois-ci on est à 20 kg, donc là je suis à peu près à ma charge de travail. Et là, je vais faire 10 répétitions. Histoire de se challenger un peu, j'ai pris les 22-5. Pour le second exercice, on va cette fois-ci utiliser une méthode d'intensification, c'est-à-dire qu'on va faire des élévations latérales, premièrement aux haltères, à peu près 10 répétitions, et tout de suite on va l'enchaîner la même chose, mais à la barre, pareil, 10 répétitions. Donc un total de 20 pour vraiment cibler la partie extérieure du deltoïde. Là, ce qui est important, c'est vraiment de monter avec les coudes et de retenir la descente. On bloque en haut du mouvement, on retient. Et on enchaîne tout de suite avec la barre. Pour travailler la partie frontale des épaules, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un disque. Je me place comme ceci. Et là, je monte. Je retiens bien la descente. Je fais pas de mouvement de balancier, je reste bien focus sur les épaules. J'essaye de bloquer en haut du mouvement. Et je vous montre de profil. Voilà, 10 kg, c'est pas très lourd, mais ça suffit largement pour que ça brûle. On va terminer cette séance par le travail des deltoïdes postérieurs et je vais vous montrer ma méthode d'intensification puisque généralement c'est là où on a le plus gros retard. Alors je vais commencer avec les 12 kg. Pareil, je monte bien avec les coudes et je fais 10 répétitions. Je passe ensuite aux 8 kg, toujours 10 répétitions. Et enfin, avec les plus petits.
On va enchaîner ça 4 fois, et là, croyez-moi, vous allez avoir les épaules en feu. On a une petite tarte faite par la chérie, avec du chèvre, du poulet, quelques tomates, et un peu de miel. On va se régaler.